Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je vous rappelle de quoi on a parlé la semaine dernière, où je vous dis, pour ceux qui sont arrivés cette semaine, donc, notre but c'est de comprendre le lien entre une théorie quantique à n corps et une théorie donc linéaire et une théorie non linéaire effective. Donc c'est le lien entre le Hamiltonien suivant, Hn lambda, qui était la somme J, peut-être je mets un grand N, comme j'avais fait la semaine dernière, J égale 1 à N, de moins I le gradient XJ plus A de XJ, plus V de XJ, plus lambda, la somme sur toutes les paires W de XJ moins XK. D'accord, donc ça c'est un Hamiltonien à N corps qui décrit le comportement de N particules quantiques avec un potentiel extérieur V, un potentiel magnétique A, ou qui peut décrire par exemple la rotation, et une interaction W. D'accord ? Et lambda, c'est une constante de couplage. Et donc on voulait comprendre le lien entre cette théorie et le modèle non linéaire basé sur l'énergie suivante, EH de U, qui est juste l'intégrale de moins I, le gradient de U de X, plus A de X, U de X, carré dx. On est tout sur RD, hein. Plus l'intégrale de V U carré, et plus un terme non linéaire, 1 demi, de U de X carré, U de Y carré, W de X moins Y. Voilà. Et je vous rappelle que cet opérateur ici est défini sur un domaine de L2 de RD, puissance n, et on regarde des bosons, donc ça signifie qu'on se restreint aux fonctions qui sont symétriques par rapport aux échanges des variables, ce qui est... Quand on regarde la première valeur propre, c'est important seulement si A n'est pas nul. Et donc, la semaine dernière, on a exprimé le lien entre ces deux théories dans le cas des minimiseurs. Donc on avait défini E de n, qui est l'inf du spectre de Hn lambda, peut-être je peux mettre le... Bon, mettons le lambda, voilà. Hein, donc c'est-à-dire l'inf des psi, Hn lambda psi, sur tous les psi qui sont normalisés, dans le domaine qu'il faut pour que tout ait un sens. Et ensuite, on avait regardé le problème de minimisation non linéaire, donc qui est l'inf des EH de U, sous la contrainte que U est normalisé. Non ? Et on avait énoncé deux théorèmes. Donc le premier, c'était le fait que E de n lambda divisé par n converge vers EH dans la limite où n tend vers l'infini et lambda n tend vers 1. Nous, on avait pris lambda égale 1 sur n directement. Et donc lorsque lambda est d'ordre 1 sur n, on avait dit que c'était le régime de champ moyen. Donc ça, c'était la convergence de l'énergie pour les minimiseurs, l'énergie minimale. Et ensuite, on avait un théorème de convergence pour les minimiseurs eux-mêmes, que je vais écrire à côté ici. D'accord ? Donc, on avait deux cas. On avait le cas confiné où on était sûr de ne pas perdre de masse à l'infini et le cas non confiné. Regardons le cas où V tend vers l'infini à l'infini, qui est le cas confiné. Donc, on est sûr qu'on ne va pas perdre de masse. Dans ce cas-là, le résultat, c'était que si on prenait une suite psi n qui donne la bonne énergie au premier ordre, on sait que l'énergie se comporte comme n, d'accord ? Alors dans ce cas-là, il existe une sous-suite, bon, je ne vais pas l'écrire, je vais juste écrire A sous-suite près. Ce qu'on avait, c'est que les marginales de notre état quantique convergeait vers une moyenne, une superposition d'états factorisés. Donc, c'est-à-dire, on regarde psi n qu'on teste contre un opérateur A qui ne dépend que de k variables et qui agit sur les k premières variables. Donc, ça veut dire qu'on fait tenseur l'identité de n-k. Donc ça veut dire un opérateur qui n'agit que sur les k premières variables. Et on avait la convergence
toujours dans la même limite où n tend vers l'infini et lambda n tend vers 1, vers des états qui sont factorisés. D'accord ? Donc, U tenseur K à U tenseur K, d mu de U. Et mu, c'est une mesure de probabilité sur l'ensemble des minimiseurs du problème non linéaire. D'accord ? Donc, on avait dit qu'on avait convergence vers les minimiseurs du problème non linéaire, basé sur l'énergie de Hartree EH de U. Mais la convergence n'est pas en norme, c'est seulement une convergence quand on regarde les marginales, c'est-à-dire quand on teste contre des opérateurs qui dépendent seulement de cas variables. Et par ailleurs, comme les minimiseurs en question ne sont pas forcément uniques, on pouvait trouver une combinaison convexe de ces minimiseurs, et la combinaison convexe, c'est la mesure mu, qui peut dépendre de la sous-suite. D'accord ? Bien. Par ailleurs, on avait dit que, en fait, on peut même construire des suites psi n pour converger vers n'importe quel mu sur l'ensemble des minimiseurs, donc c'est un résultat à peu près optimal. Donc ce que vous voyez de ce résultat, c'est que dans cette limite de champ moyen où le nombre de particules tend vers l'infini, l'objet final adéquat, c'est vraiment une mesure sur L2. D'accord ? Il se trouve qu'ici, la mesure est concentrée sur les minimiseurs du problème non linéaire, mais vraiment, vous devez penser que l'objet final, ce n'est pas vraiment un minimiseur de l'énergie non linéaire, c'est vraiment une mesure sur L2 qui se trouve ici être concentrée sur les minimiseurs. Et donc, le but de ce cours, c'est de vous parler de mesures de Gibbs, d'en être à la section 3. Qui vont être un autre type de mesures vers lesquelles on aura encore convergence dans une limite de type champ moyen, mais qui vont encore être des mesures dans L2 ou pas, bon, on va discuter ça, mais qui seront plus concentrées sur l'ensemble des minimiseurs, c'est des mesures qui vont vivre généralement sur tout l'espace. D'accord ? Donc il faut que je vous explique ce que sont les mesures de Gibbs, et notre but, c'est de démontrer un résultat similaire avec des mu différents ici, qui vont être des mu plus compliqués, qui vont être sous la forme exponentielle moins bêta l'énergie, essentiellement. Donc pour ça, je vous rappelle ce que sont les mesures de Gibbs, disons en mécanique classique. Donc je vous rappelle que si vous avez un Hamiltonien classique H, sur RD croix RD. D'accord, vous avez les positions et les vitesses. Dans ce cas-là, la mesure de Gibbs, bon, en fait, c'est une fonction L1, c'est une mesure qui est absolument continue par rapport à le Lebesgue, et c'est exponentielle moins bêta H. En fait, j'écris de XP, dx, dp, avec le bon facteur de normalisation, z moins 1, où z, bah, c'est l'intégrale de exponentielle moins bêta h. D'accord, donc c'est ça une mesure de Gibbs. Et bêta, c'est l'inverse de la température. Et c'est pas difficile de voir que, bon, moins formellement, si vous faites tendre t vers 0, c'est-à-dire bêta vers l'infini, cette mesure va en fait se concentrer sur l'ensemble des minimiseurs de la fonction h, puis ce sera la mesure uniforme sur ces minimiseurs. D'accord ? Donc, alors vous remarquerez que pour que cette mesure soit bien définie, il faut des propriétés d'intégrabilité, et essentiellement, il faut toujours être dans le cas confiné. D'accord ? Donc c'est ce qu'on supposera toujours dans la suite. Donc plus précisément, si h de xp, notre Hamiltonien classique est sous la forme p carré plus v de x, comme d'habitude. Alors remarquez ici que on peut avoir n particules. Dans ce cas, c'est juste que d, vous devez penser que c'est la dimension de l'espace multipliée par grand n. Et le v sera très compliqué, ce sera une somme de plein de termes. Mais bon, je peux tout inclure juste sous une forme comme ça. Donc pour que votre z soit fini, vous voyez que vous avez deux intégrales, dans ce cas-là, vous aurez exponentielle moins bêta p carré dp, la mesure se factorise, hein, qui est toujours finie, donc ça, ça va. Mais ensuite, vous avez exponentielle moins bêta v de x, voilà, qui sera finie seulement
si V tend vers l'infini de manière appropriée. D'accord ? Donc ça, c'est fini avec des conditions sur V. Bah, la condition, c'est que ce soit fini. D'accord ? Donc on va maintenant toujours se placer dans le cas confiné, qui pour les minimiseurs était le cas plus simple, donc tant mieux. Alors vous remarquerez que cette mesure, est, donc cette mesure ici, je vais l'appeler mu. Donc mu est invariante par le flot hamiltonien. Et c'est juste parce que mu, c'est une fonction de h, et que h est constant le long des trajectoires. D'accord ? Donc si vous regardez le, comment on dit, le push-forward de la mesure par le flow, mu ne bouge pas, mu est invariante. Donc c'est des mesures invariantes, c'est des mesures très naturelles. Alors pourquoi on regarde exponentielle moins bêta h et pas une autre fonction de h ? Bon, ça, ça vient du fait que mu, en fait, résout un problème de minimisation, résout le problème variationnel suivant. Où vous regardez, donc vous faites le bon, minimum, infimum, sur toutes les probabilités P. Bon, en fait, elles seront toutes absolument continues par rapport à Lebesgue, donc j'écris P positive et intégrale de P égale à 1, de l'intégrale du Hamiltonien fois P, plus T, l'intégrale de P log P. Donc, ce que vous voyez, c'est que si la température est nulle, vous devez minimiser l'intégrale de h fois une probabilité p, et ça, c'est minimum lorsque p est une delta sur le point où h est minimum. D'accord ? Donc, c'est le problème de minimisation, et dans ce cas-là, le p est une delta. Et on se contente de minimiser la fonction h. Par contre, donc ça, c'est vraiment E moins Ts, énergie moins T fois l'entropie, et l'entropie, c'est moins l'intégrale de p log p, qui contraint la mesure à être plus lisse. Et l'unique solution de ce problème, on en reparlera, l'unique solution est justement exponentielle moins bêta h, où bêta est 1 sur t. D'accord, vous pouvez juste résoudre l'équation d'Euler-Lagrange et vous allez trouver qu'il faut, z moins 1. D'accord, donc c'est juste qu'au lieu de minimiser l'énergie, on minimise l'énergie moins T fois l'entropie, et l'entropie force la mesure à être un petit peu plus étalée. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que l'infimum, on peut le calculer. Donc il suffit de mettre la mesure mu dans la formule, et vous allez voir que l'infimum vaut moins T log de z, c'est-à-dire moins t le log de l'intégrale de exponentielle moins bêta h. Voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que z, ça s'appelle la fonction de partition. Peut-être qu'au lieu d'écrire bêta, j'écris 1 sur t. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas d'un système hamiltonien en dimension finie, classique, système classique. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est définir des mesures similaires pour notre système hamiltonien en dimension infinie. D'accord ? Où, au lieu d'avoir un h sur rd croix rd, on a une fonction sur tout L2. D'accord ? Cette fonction de Hartree, là-bas, est fonctionnelle non linéaire, eh de u. Donc nous, ce qu'on veut regarder, c'est on veut étudier... je veux dire la mesure de Gibbs. Bon. Pour EH, donc il va donc être un problème en dimension infinie. Et donc qui est formellement la mesure suivante, c'est d mu de U qui vaut z moins 1 exponentielle moins 1 bêta EH de U du. Sauf que évidemment, tout ça c'est entre guillemets, parce que U c'est une fonction. Donc U est une fonction
Et donc, le but, c'est de vous définir ces objets, vous expliquer comment les construire, quelles sont leurs propriétés, et ensuite, montrer qu'ils apparaissent naturellement dans une limite type champ moyen qu'on a déjà regardé la semaine dernière. Donc on va étudier ces mesures et montrer qu'elle apparaît dans une limite de champ moyen. Donc ces mesures sont des objets qui sont bien connus, d'accord, et qui sont beaucoup étudiés. Donc l'importance de ces mesures. Donc historiquement, ces mesures ont été abondamment étudiées dans les années 70 par les gens qui faisaient de la théorie des champs, théorie quantique des champs, constructive, on dit aussi euclidienne, parce que souvent la méthode pour les construire a été basée sur les techniques euclidiennes. Et donc c'était dans les années 70. Bon, ça a commencé à la fin des années 60 et puis pendant toutes les années 70. Donc les noms importants, c'est Gleim, Jaffe, bon, Simon, Rosen, Nelson, Guerra. Bon, et j'en oublie plein d'autres probablement. Alors vous allez me dire, les théories quantiques c'est plus compliqué, quel est le rapport avec des mesures d'une certaine manière classique, puisque c'est un système hamiltonien classique mais en dimension infinie. Donc l'idée c'est que vous avez la formule de Feynman-Katz qui vous permet, avec des intégrales de chemin, donc c'est-à-dire qu'un problème quantique en dimension D, vous pouvez l'écrire en utilisant un problème classique en dimension D plus 1. Donc la fonction de partition quantique que je n'ai pas encore définie, vous pouvez l'écrire en fonction d'une fonction de partition classique en rajoutant une variable qui est le temps de parcours des particules sur les chemins. D'accord ? Et donc en fait, toute une grande partie de ces travaux était concentrée en fait à construire des mesures classiques. Donc c'est vraiment l'étude du problème classique, donc des mesures classique qui a beaucoup occupé les gens. Et puis aussi, après, il y avait évidemment la justification de la formule de Feynman-Katz, c'est le fait qu'on puisse reconstruire toute une théorie simplement en ayant construit ces mesures. Donc si vous regardez, il y a plusieurs livres, il y a au moins un livre très célèbre de Gleim et Jaffe, où vous verrez qu'une grande partie est en fait consacrée à la construction des mesures classiques, qui sont celles qui nous intéressent ici. Bon, là tout le problème, c'est des problèmes de renormalisation, on en parlera un tout petit peu après, mais pas trop. Alors ces mesures sont un peu réapparues dans les années 90-2000, dans la communauté des gens qui font des EDP. D'accord ? Et l'idée, c'était d'utiliser ces mesures pour donner un sens et puis résoudre, mettons pour résoudre, l'équation dépendant du temps avec des conditions initiales singulières. D'accord ? Donc là, les noms... Donc les plus importants, donc je pense que ça a commencé avec un article de Leibovitz, Rose et Speer. Donc ça c'est 88, qui regardait NLS focalisant 1D. Et ensuite ça a été fortement popularisé par Bourguin au milieu des années 90. Donc il a regardé différents problèmes en 1D, en 2D. Et vraiment, le but, c'était
en utilisant ces mesures, de montrer que l'équation dépendante du temps fait sens sur une classe de fonctions plus grande que celle dont on avait l'habitude, du point de vue des conditions initiales, et que par ailleurs, la mesure était invariante par le flot. D'accord ? Et ensuite, vous avez beaucoup de travaux, donc il y a beaucoup de... Il y a des travaux de McKean, au milieu des années 90 aussi, et puis ensuite, ceux qui m'ont, moi, servi à rentrer dans le sujet, donc tous les travaux de Burke, Zvetkov, Thomann. Donc certains, enfin les auteurs n'ont pas forcément toujours travaillé tous les trois ensemble. Hein. Il y a des articles de Nicolai seul, de Nicolas et Nicolai. Bon. Donc ça, c'était vraiment à partir de 2008, moi, à ma connaissance. Et puis après, il y a aussi Anne-Sophie de Suzoni en 2011. Vous avez Colliander et Ho qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Leurs papiers sont dans quelle revue ? De tous ces gens, bon, on les trouve facilement sur Archive et après dans différentes revues. Je vous donne les noms, quelques pointeurs, juste pour que vous puissiez... Alors, tout est sur Archive. Hein. Ça, c'était en 2011 aussi. Bon, il y a beaucoup d'articles, mais je vous donne ceux qui me semblent importants. Donc, il y a beaucoup d'activités, même encore récemment, sur ces sujets. Alors, vous allez me dire pourquoi cette mesure permet de donner un sens à une équation dépendante du temps avec des conditions initiales singulières, ben, c'est qu'en fait, la mesure est elle-même définie sur des distributions parfois. Donc, pourquoi c'est intéressant ? Ben, on aura toujours, ou on a toujours, que l'énergie sera toujours infini mu presque sûrement. Vous voyez, c'est une mesure étrange parce qu'on l'a définie comme exponentielle moins bêta l'énergie avec un facteur de normalisation, mais en fait, à la fin, l'énergie est toujours infinie. D'accord ? Donc la mesure est... Ce qui, du coup, vous comprenez pourquoi il y a des guillemets là-bas. Hein ? Donc on verra. L'énergie est toujours infinie mu presque sûrement. Et la masse est aussi infinie. Presque souvent dans beaucoup de cas, en fait, pour les cas pratiques, pour toute dimension supérieure ou égale à 2. D'accord ? Donc la mesure ne vit pas vraiment sur l'espace sur lequel on aurait imaginé, par exemple, L2. Elle a tendance à vivre sur un ensemble, sur un espace de distribution, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. D'accord ? Donc ces mesures sont bien connues, d'accord ? Donc elles ont été vraiment construites dans les années 70 et beaucoup étudiées, ensuite utilisées récemment par les EDPIS. Par ailleurs, bon, les probabilistes connaissent bien ce type d'objet également. Notre but, c'est de faire la dérivation de ces mesures à partir du problème quantique, mais aujourd'hui, je vais vous les décrire. D'accord ? Je vais vous expliquer comment on construit ces mesures et quelles sont leurs propriétés. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Hein. Donc ce sont des objets un peu étranges parce que à la fin, elles ont l'air d'être assez étrangères à l'énergie dont elles sont issues. D'accord ? Mais c'est aussi ce qui les rend intéressantes. Donc quelle est la stratégie pour définir mu ? D'accord ? Donc je rappelle que mu, c'est censé être exponentielle moins bêta l'énergie non linéaire. Bon, on va prendre une stratégie qui est un petit peu optimiste et qui en fait marche pas tout le temps, mais qui est de commencer avec le cas où il n'y a pas d'interaction, auquel cas on a le problème linéaire, dont l'énergie est quadratique. Donc la première étape, c'est de définir mu 0, qui est aussi entre guillemets juste exponentielle moins bêta. Alors, je vais écrire UHU.
DU, où H, c'est l'opérateur, bon, essentiellement, c'est le Laplacien, quoi, hein, mais chez nous, c'est moins I gradient plus A au carré plus V. D'accord ? Donc la partie quadratique de l'énergie qui est associée à la partie linéaire de l'équation indépendante du temps. D'accord ? Et comme ça, c'est juste une mesure gaussienne. Bon, on dit aussi mesure de Wiener, du moins en dimension 1, pour le Laplacien. Et je vais vous expliquer comment on l'a construit. D'accord ? Et puis une fois qu'on a cette mesure, bah, il faut savoir quel est son support, etc. Mais l'idée, c'est de définir mu, le mu qui nous intéresse, qui comprend la partie non linéaire, par rapport à cette mesure. D'accord ? Donc notre mu sera juste défini comme une constante fois juste la partie non linéaire, donc exponentielle moins bêta sur 2, l'intégrale double de W de x moins y, u de x carré, u de y carré, dx, dy, fois d mu 0. Et vous voyez, imaginez que W soit positif pour commencer, d'accord ? Donc le cas défocalisant, vous voyez que ça c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc pour que ce soit bien défini, la seule et unique question c'est est-ce que ce qu'il y a dans l'exponentielle est fini, mu 0 presque sûrement, ou au moins sur un ensemble de mesures non nulles. D'accord ? Donc le facteur de normalisation, ce sera juste l'intégrale de l'exponentielle moins bêta, le terme non linéaire, d mu 0 de u. Et comme je dois diviser par ce facteur de normalisation, il faut que ça ce soit strictement positif. Sinon, je ne vais pas pouvoir définir la mesure correctement. Et donc la seule question, c'est est-ce que le terme non linéaire qui chez nous est quartique, est fini sur un ensemble de mesures non nulles. Et la mesure, c'est mu 0. D'accord, donc ça, c'est une vision un peu optimiste. Il se peut que la non-linéarité soit très importante et qu'on ne puisse pas décomposer le problème en deux parties. Mais dans les cas les plus simples, ça va marcher. D'accord, donc une première étape qui consiste à définir cette mesure gaussienne, et ensuite une deuxième étape qui consiste à... Donc on utilise juste que l'exponentielle s'écrit comme un produit de deux exponentielles, et une fois qu'on a bien étudié mu 0, ça permet de définir la mesure non linéaire. D'accord, et une fois qu'on a cet objet, on peut regarder si elle est invariante par le flot, et puis ensuite on peut faire la dérivation à partir du problème à n-corps, etc. Bien, donc... du coup, maintenant, je vais vous parler de mesures gaussiennes. Donc, c'est un sujet extrêmement classique en probabilité, mais un peu moins pour les analystes comme moi. Donc, je vais vous raconter la base sur ces objets. Donc, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on va devenir un petit peu plus abstrait, d'accord ? Donc, on prend un opérateur A sur un espace de Hilbert H. Nous, A sera juste notre Laplacien magnétique plus V. Et H sera L2. L2 de RD ou L2 de oméga, si on est dans un domaine borné. D'accord ? Et on suppose que A est un résolvable compact. Donc auto-adjoint, hein, j'ai pas dit, mais résolvante compact. Et on suppose aussi que A est défini positif. Bon, peut-être j'écris A auto-adjoint. Donc ça veut dire que A, vous pouvez le diagonaliser avec des valeurs propres lambda J, et donc je peux les supposer ordonnées, c'est plus simple. Lambda 1 est strictement positif, et lambda n tend vers plus l'infini. Et donc A pour nous sera juste, et penser au Laplacien sur un domaine borné,
ou alors au laplacien perturbé par un potentiel qui tend vers l'infini pour que la résolvante soit compacte. Et donc ce qu'on veut faire, c'est définir la mesure, je vais l'appeler nu indice A, qui est facteur de normalisation, et bêta, je vais le prendre égal à 1, hein, ça ne change rien, c'est juste... Donc on veut définir cette mesure, x à x dx. D'accord ? Et donc l'idée, puisque A est diagonalisé, c'est qu'en fait, c'est la formule pour cette mesure, c'est le produit tensoriel infini, j supérieur ou égal à 1, de lambda j sur pi, qui est le facteur de normalisation, exponentielle moins lambda j, xj carré, dxj. Donc c'est un produit tensoriel infini qui, sur chacun des sous-espaces propres de A, est gaussien. Donc j'attire sur votre attention sur le fait qu'on a des fonctions à valeur complexe. Et donc le dxj, il est vraiment en dimension 2. C'est un d de la partie réelle. Et donc on est vraiment dans C, là. Et c'est pour ça que la normalisation de la gaussienne, on est vraiment en dimension 2. C'est 1 sur pi, pas 1 sur racine de pi. Alors, que signifie ce produit tensoriel infini? Bon, ben, vous savez que si vous avez une mesure quelconque nue sur un espace de Hilbert H, vous pouvez regarder ce qui s'appelle la projection cylindrique. Ah, pardon. Ah, pardon. Oui. Xj, c'est Vj scalaire x. Donc, c'est la coordonnée. Et mon produit scalaire est toujours linéaire à droite. Donc, si vous avez une mesure de proba sur un espace de Hilbert H, vous pouvez définir ce qui s'appelle la projection cylindrique. Donc vous prenez un espace vectoriel V de dimension finie. Vous pouvez définir la projection cylindrique, j'appelle nu restreint à V, qui en fait est une marginale. Donc le dessin, imaginez que vous êtes dans R3, vous prenez un plan et vous définissez la projection sur le plan simplement en intégrant complètement la mesure sur l'orthogonale du plan. Et ça vous définit une mesure sur le plan. D'accord ? Donc, cette mesure nu indice V est juste caractérisée par le fait que si vous intégrez contre une fonction qui ne dépend que des variables, que des coordonnées de V, mettons. D'accord ? Donc, on peut simplement dire que F du projecteur sur Vx, d nu de x sur H, est égal à f de y d nu restreint à v de y sur v. D'accord ? Donc, dit autrement, vous regardez votre sous-espace vectoriel v, vous regardez l'orthogonale. Si vous prenez une fonction qui ne dépend que des variables impliquées dans l'espace de l'espace v, comme c'est le cas ici puisque j'ai mis la projection, alors dans ce cas-là, vous pouvez intégrer complètement toutes les autres et vous avez la marginale sur v, qui maintenant est une mesure borélienne habituelle sur un espace de dimension finie. D'accord ? Donc, quand j'écris ce produit tensoriel, vous devez penser, donc le produit tensoriel signifie que si vous prenez la mesure nu A et que vous regardez sa projection cylindrique sur l'espace qui est engendré par les n premiers vecteurs propres de A. Donc vous prenez Vn qui est l'espace engendré par V1 jusqu'à Vn. Bon ben ça veut dire que c'est juste une gaussienne, mais maintenant en dimension n. Donc c'est la signification de cette formule ici. Chaque fois que vous prenez un espace, l'espace engendré par les n premiers vecteurs propres, vous regardez la projection cylindrique
de la mesure sur cet espace de dimension finie, alors ça doit être la gaussienne qu'on pense. Juste parce qu'on peut intégrer contre toutes les autres variables, et comme mu est une mesure de probabilité, elles disparaissent. Bien. Donc, maintenant la question naturelle, c'est à quelles conditions ce produit fait vraiment sens, ou dit autrement, à quelles conditions une mesure sur un espace de Hilbert est complètement caractérisée par ces projections cylindriques. Donc ça, c'est bien connu. Je pense que les gens, d'habitude, renvoient à Skorokon. Je ne sais pas si c'est vraiment dû à lui, mais du moins, il y a un livre qui s'appelle « Integration in Hilbert Space ». C'est un des livres classiques sur le sujet. Et dans les trois premières pages, c'est exactement ce qu'il discute. Donc il vous explique qu'une mesure, en mettant une mesure de proba, enfin, ça apparemment, bon, une mesure finie sur H est caractérisée par ces projections cylindriques. Chaque fois que vous prenez une suite croissante d'espaces qui tend vers tout l'espace de Hilbert pour la convergence forte, mettons. D'accord ? Donc vous prenez une suite croissante d'espaces quelconque, alors si vous connaissez toutes les projections cylindriques, vous connaissez la mesure. Dit autrement, connaissant les mesures cylindriques, il existe une unique mesure. Bon, maintenant, vous pouvez poser le problème à l'inverse. Si vous donnez une famille de projections cylindriques, enfin, vous ne savez pas encore si c'est une projection, mais vous donnez une famille de mesures sur des espaces qui grossissent, qui sont telles que chaque fois que vous prenez la projection d'une mesure sur un espace plus petit, alors vous trouvez l'autre mesure, d'accord ? Est-ce que vous savez qu'il y a une mesure au-dessus dont toutes ces mesures sont les projections cylindriques ? Et la réponse est oui, à condition que la suite soit tendue. Donc si vous avez une suite nu n sur vn, qui est une suite croissante d'espace, telle que quand vous restreignez nu n à vp avec p inférieur ou égal à n, vous trouvez nu p. Donc ces nu n proviennent d'une mesure nu. Si et seulement si la suite est tendue. C'est-à-dire, vous calculez nu n, vous n'êtes que dans vn, d'accord ? Donc vous calculez la masse qui est en dehors d'une grande boule. Donc, pour tout epsilon positif, il existe un r tel que la masse en dehors d'une grande boule soit petite uniformément par rapport à n. Hein, c'est juste parce que cet objet doit en fait... être le nu de Vn de la boule, du complémentaire de la boule, qui est inférieur ou égal à la mesure en dehors de la boule, qui doit être petit, parce qu'on a une mesure. D'accord ? Ça, c'est la base sur la théorie de la mesure dans l'espace de Hilbert. Et donc, maintenant, on regarde ce produit tensoriel et on se demande à quelles conditions la suite est tendue. Donc il y a un petit lemme, ou en mettant théorème. Oui. D'accord, dans l'espace de Hilbert, il y a une norme, un produit scalaire, tout ça, on regarde. D'accord. Donc le théorème, c'est qu'une mesure gaussienne, je veux dire la mesure nu A, d'accord, donc celle qui est définie par un opérateur A, dont la résolvante est compacte, etc., est bien définie. Donc bien définie, ça veut juste dire que cet objet ici, donc cette suite ici, est tendue. Si et seulement si, la résolvante est à trace.
C'est-à-dire que la somme des 1 sur les valeurs propres converge. D'accord, donc vous voyez que pour que la mesure gaussienne soit bien définie, il faut en fait que les valeurs propres tendent assez vite vers l'infini, de sorte que la série des 1 sur les valeurs propres soit convergente. Donc ça, c'est un résultat très très classique que vous lisez dans tous les livres. Mais je voudrais vous donner une toute petite preuve parce que... Ah, je voulais garder ça. Donc, preuve. C'est très élémentaire, mais ça fait pas de mal. Surtout quand on n'a pas trop l'habitude avec ces objets. On va supposer d'abord que la trace de A-1 est finie, et on va montrer que la suite est tendue. C'est ce qu'il faut faire. Et donc en fait, l'astuce, je vous donne juste les étapes, hein, après. Donc l'astuce, c'est d'intégrer x carré sur la mesure nue. Évidemment, vous allez me dire la mesure n'existe pas encore parce qu'on veut la construire, mais ce que vous faites tout simplement, c'est que vous prenez le projecteur Pn, c'est le projecteur orthogonal sur Vn, et vous calculez donc Pnx au carré sur la mesure nue, donc qui n'existe pas encore, mais qui est en fait égal à juste l'intégrale de, je vais écrire y carré d nu a restreint à Vn de y sur Vn. D'accord ? Alors évidemment, y carré, c'est juste la somme des yi carrés. Et ensuite, si vous regardez par exemple y1 carré, ben, vous voyez que puisque vous regardez la marginale, juste pour la variable numéro 1, toutes les variables x2, enfin y2 jusqu'à yn vont s'intégrer à 1. Et il va juste vous rester l'intégrale de la gaussienne fois x carré qui se calcule et qui vous donne 1 sur lambda j. Et donc, en fait, quand vous calculez tout ça, vous voyez que c'est exactement égal à 1 sur lambda j, j égale 1 n. D'accord ? Et donc, vous voyez que si cette série est convergente, bon, ça va vous dire que quand vous testez contre x carré, la mesure est finie, et donc forcément, elle est tendue, puisqu'elle décroît assez vite. D'accord ? Si vous regardez la mesure en dehors de la boule, bon, vous pouvez l'estimer par 1 sur R2. Alors on peut même démontrer un petit peu mieux, j'aurais pu le mettre dans le théorème, mais en fait il y a même décroissance exponentielle. Une fois que vous savez que la mesure existe, vous pouvez même calculer exponentielle epsilon x carré d nu a de x. Donc vous faites pareil, vous commencez par mettre un projecteur Pn, d'accord ? Et puis, une fois que vous avez Pn, ben là, vous pouvez calculer explicitement. Et en fait, vous allez voir que c'est le produit. Donc, quand vous mettez un epsilon x carré, c'est comme si vous prenez votre opérateur A et vous faites moins epsilon. Donc, les valeurs propres sont décalées de epsilon. Mais par contre, la normalisation ne coïncide pas puisque vous avez normalisé avec le lambda j. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir que ça vaut lambda j divisé par lambda j moins epsilon. Le produit. On dit autrement, c'est le produit des 1 sur 1 moins epsilon sur lambda j. Et ce produit est convergent à condition que la somme des lambda j soit finie. Et donc vous voyez que cette intégrale va être finie dès que epsilon est plus petit que lambda 1. D'accord ? Donc une mesure gaussienne, elle est en fait exponentiellement décroissante. Ce qui est un peu normal pour une mesure gaussienne. Et le coefficient critique qu'on peut mettre, c'est la première valeur propre de l'opérateur A. Alors en fait, donc là on a calculé l'intégrale, donc souvenez-vous de cette formule. L'intégrale de x carré d nu a de x,
pour une mesure gaussienne, c'est toujours la trace de A-1, hein, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, c'est-à-dire la somme des 1 sur lambda J. Alors en fait, on peut aussi regarder un objet intéressant qui est l'intégrale du projecteur orthogonal. Enfin, sa norme n'est pas 1, donc c'est pas vraiment projecteur orthogonal. Donc j'utilise ici la notation des physiciens avec le ket et le bras. D'accord ? Donc ça veut dire. Bon, c'est norme de x carré fois le projecteur orthogonal sur x sur norme de x. D'accord ? D'accord. Si vous calculez cet objet, en fait, vous allez trouver A-1, c'est-à-dire la résolvante, par le même calcul que ce qu'on a fait, en fait. Hein. Pour le trouver, il suffit de faire le produit scalaire avec VI et VJ, qui sont les vecteurs propres de A, et puis ensuite, c'est le même calcul qu'avant, sauf qu'on a XI, XJ, et il faut pouvoir calculer l'intégrale de la gaussienne fois XI, XJ bar même, et puis vous allez voir que ça fait delta IJ, bon. Fois l'intégrale de x carré. Bon. Donc vous avez trouvé ça. D'accord. Si vous n'aimez pas cette notation, vous pouvez juste dire que si vous regardez y scalaire x et x scalaire z, bon, ça vaut z à moins 1 y. Ah, pas du tout. Y à moins 1 z. D'accord. Et ça, c'est vraiment très important. Quand vous intégrez cet opérateur qui est un peu la projection orthogonale, vous trouvez la fonction de Green, parce que quand c'est laplacien, la résolvante, c'est juste la fonction de Green. Donc, du moins, on retrouve la résolvante. Dans le cas d'un opérateur A abstrait. Alors, je voudrais vous donner la preuve de l'autre sens, rapide. C'est-à-dire que si nu A est bien défini, c'est-à-dire que la suite est tendue. Alors en fait, la trace doit être finie. Alors, c'est quoi le rapport avec la boule de rayon R là ? Tout ça implique. D'accord. À quel moment ? Je croyais qu'on essayait de démontrer que le critère. Ah oui, bien sûr. Là, je n'ai pas conclu. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que x carré est intégrable, uniformément en n, ça montre que c'est forcément tendu. Jusque si on calcule l'intégrale en dehors de la boule, ça va se majorer par 1 sur r carré. Et donc, ce sera tendu. D'accord ? Donc, ce truc est en fait beaucoup plus fort que ce qu'on voulait. Et avec la convergence exponentielle, là, enfin le fait que c'est exponentiellement décroissant, c'est encore beaucoup plus fort. Ça va même se majorer par exponentielle moins epsilon r carré. C'est 60 fois rien. Voilà. Je veux juste vous faire la preuve de l'autre sens pour que vous voyez bien que c'est vraiment très très nécessaire que la résolvante soit à trace. Parce qu'il y a une preuve sympathique que j'aime bien qui est basée sur Poincaré-Wirtinger. Donc, inégalité donc, vous avez un Poincaré-Wirtinger gaussien. Hein, qui, bon, en gros, c'est des choses sur l'oscillateur harmonique. Hein, c'est rien. C'est que si vous regardez une fonction f, je dis en dimension finie. Hein, on prend une gaussienne sur un espace de dimension n, vous regardez une fonction f et vous soustrayez la moyenne de f contre une gaussienne. Donc j'écris nu a, mais maintenant on est en dimension finie, vous avez une matrice a qui vous définit une gaussienne, et vous intégrez encore contre la gaussienne. D'accord ? Donc j'écris rn vraiment, pour, pardon, cn. Bon, alors en fait, ça peut s'estimer par une constante qui, je crois, doit être 1/2, le gradient de f au carré des nu a de x. D'accord, donc c'est juste le fait que, donc nu a, c'est la gaussienne avec la matrice A. D'accord,
symétrique, enfin une matrice hermitienne en dimension n. Donc c'est juste le fait que si vous regardez l'opérateur associé à cette forme quadratique, il va être un résolvante compact. Bon. Et la première valeur propre, c'est 0, parce que c'est quand vous prenez f égale 1. Quand si vous prenez f égale constante, non. Et elle est non dégénérée, comme, tout, comme tous les opérateurs, par un théorème de type, mettons, Perron-Frobenius. Et donc, en fait, la deuxième valeur propre est strictement positive. Et donc, vous avez un point carré Wirtinger. Et en fait, on peut tout calculer juste en utilisant les polynômes de Hermite, hein, tout explicite. Alors, comment on utilise ça? Donc, en fait, on est en dimension n quand on regarde les suites nu n. D'accord? Et on va prendre f de x égale la norme de Pnx carré, qui est aussi x Pnx. D'accord? Donc, on prend le projecteur orthogonal sur l'espace engendré par les n premières fonctions propres de A, et on applique cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Vous voyez, on trouve que l'intégrale de la norme de Pnx au carré, moins, donc il faut calculer ici l'intégrale de x produit scalaire Pnx contre la mesure A, mais vous voyez, en utilisant la formule que je vous ai donnée ici, ça fait en fait la trace de Pn à moins 1. D'accord, l'intégrale contre la gaussienne, on utilise la formule ici. Et on trouve ça immédiatement. Donc, c'est-à-dire la somme des n premières valeurs propres, en fait. L'inverse des n premières valeurs propres. Voilà. Donc ça, c'est d nu a. Donc là, si vous voulez... oui, je suppose que la mesure existe, et puis je vais trouver que nécessairement la trace est finie. Voilà. Donc d nu a de x, et donc ça doit être inférieur ou égal à 1/2. Alors le gradient de f, c'est facile, c'est juste pnx, avec un 2, donc ça me sort... ça doit me sortir un 2, l'intégrale de Pnx au carré. J'ai oublié quelque chose, là, je m'aperçois. Excusez-moi, parce que j'ai pas lu la bonne ligne sur ma feuille. Je vous ai écrit l'inégalité dans le cas où A vaut l'identité. Si A n'est pas l'identité, il faut juste faire un changement de variable et le A déforme le gradient ici. Excusez-moi. Donc ici, c'est vraiment le gradient de F avec A moins 1. Bon, peut-être j'écris comme ça. Fois le gradient de F. D'accord, donc il faut bien voir le A quelque part dans l'inégalité quand même. Et je vous l'avais écrit pour la gaussienne normale. Donc le A... c'est ce que la matrice A-1 déforme le gradient. Donc, au lieu d'avoir le gradient au carré, vous avez juste la forme quadratique associée à A-1. D'accord, donc ici, ce qu'on a, c'est Pnx, A-1, Pnx. D'accord, excusez-moi. Bon, il faut calculer ça, mais là, on peut encore utiliser la formule là-bas. Hein, parce qu'on écrit que c'est x avec pn à moins 1, pn x, et puis on intègre sur tout x, ça nous sort encore un autre à moins 1, ça en fait c'est égal à 2, la trace de pn à moins 1, pn à moins 1. C'est la somme des 1 sur lambda j carré. Quoi. Attends, une question stupide, le gradient de pnx carré, c'est quoi? Bah, c'est le produit scalaire entre x et pnx, donc ça fait juste pnx, avec un 2, 2 pnx. Ou peut-être il y a une partie réelle d'ailleurs, parce que tout est complexe, mais ça, ça ne change rien dans l'estimé. Bon, et alors maintenant, vous voyez, on peut conclure, parce que imaginez imaginons que la trace soit infinie, par exemple. Quand on veut montrer que la mesure est mal définie. Donc si la trace est infinie, vous voyez que là, vous allez regarder en gros quelque chose qui va être dans une couronne très très loin. D'accord ?
l'idée que c'est que ce terme est un peu négligeable devant celui-là. Celui-là, c'est la somme de l'inverse des valeurs propres, et ça, c'est la somme de l'inverse des carrés. D'accord ? Donc, si vous regardez l'ensemble où Pn x carré moins ce truc-là est plus grand que C, d'accord ? Donc, vous voyez qu'on a montré que nu A de l'ensemble où Pn x au carré moins la somme des 1 sur lambda j est plus grand que petit c, mettons la racine de la somme des 1 sur lambda j. D'accord ? Donc si je regarde cet ensemble, donc ici, je peux minorer ça juste par c au carré fois cette somme, enfin, la mesure de l'ensemble, d'accord ? Et ça, je peux le majorer par 2 sur lambda 1 fois la somme des 1 sur lambda j. D'accord ? Et dans ce cas-là, vous voyez que la somme des 1 sur lambda j s'élimine des deux côtés de l'inégalité. C'est pour ça que je l'ai mise ici. D'accord ? Et donc, on a démontré que ça, c'était inférieur ou égal à 2 sur lambda 1 c carré. C'est ce qu'on a démontré. D'accord ? Alors ça, on peut l'écrire encore différemment, puisque c'est une mesure de proba. On peut regarder la probabilité de là où c'est plus petit et dire que c'est au moins égal à 1 moins 2. Et maintenant, vous voyez qu'on arrive à une absurdité si jamais la série diverge, puisque ça, c'est quelque chose de très grand. Pensez que ça, vous l'appelez R, ou peut-être on l'appelle R carré. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très grand. Ça, c'est d'ordre R, donc c'est négligeable devant lui. D'accord ? Et ça, c'est juste constant. Donc en choisissant C assez grand mais fixe, vous allez voir que la masse dans une couronne essentiellement, une grande couronne de rayon à peu près R, et de taille, ça va être racine de R, je pense. La masse dans cette couronne va être juste uniformément, avec une borne uniforme par en dessous. D'accord ? Non nulle. Et donc ça, c'est absurde, parce que vous ne pouvez pas avoir de masse dans des couronnes très loin avec un R arbitrairement grand. D'accord ? Bon, là, j'ai fait un raisonnement par l'absurde, mais vous pouvez probablement le tourner dans l'autre sens et en déduire que la trace doit forcément être finie si la mesure est bien définie. D'accord ? Donc vous en déduisez que la somme est forcément convergente. D'accord ? Donc c'est juste une conséquence de cette inégalité de Poincaré-Wirtinger. Bien. Alors je termine avant la pause par un théorème un petit peu plus général, mais que lui je ne vais pas démontrer. Donc vous voyez qu'on a vu que si la mesure gaussienne est bien définie, en fait elle doit décroître exponentiellement pour la norme de l'espace ambiant. On peut se demander maintenant qu'est-ce qui se passe si je regarde un sous-espace qui provient d'une autre norme. D'accord ? Imaginez que vous ayez un espace plus petit qui est défini par une autre norme. À quelles conditions la mesure va vivre sur ce sous-espace ou pas ? Donc là, il y a un autre théorème qui en fait est un petit peu le même genre que celui que je viens de démontrer à l'instant, qu'on peut dire loi du 0,1. Donc au lieu de parler de normes, je vais parler d'opérateurs, c'est pareil. Donc je vais prendre un opérateur B, qui est défini positif aussi, sur H. Et je vais me demander à quelles conditions, je regarde l'ensemble des X qui sont dans le domaine de forme de B, c'est-à-dire dès que X produit scalaire avec BX est fini. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous avez décroissance exponentielle, d'accord. Et cette notation, ça veut vraiment dire la norme de B1x, enfin c'est la forme quadratique associée à B, hein. Comprenez la notation. Donc soit vous avez décroissance exponentielle comme tout à l'heure,
soit, en fait, c'est, xbx est égal à plus l'infini, nu a presque sûrement. Donc c'est une loi du 0,1, parce que ça signifie que si vous regardez le sous-espace vectoriel sur lequel la forme quadratique associée à B est finie, d'accord, ben soit il est complètement rempli, soit la mesure est complètement étrangère à cet espace. Il n'y a rien entre les deux. Donc soit la mesure est complètement étrangère, donc ça signifie que la forme quadratique est infinie, nu a presque sûrement, soit c'est fini, mais alors vous avez même des croissances exponentielles. Il n'y a rien entre les deux. D'accord, donc en fait, c'est un théorème un petit peu du même type que celui qu'on vient de démontrer, sauf que nous, c'était avec B égale l'identité. Et avec B égale l'identité, bah, si la mesure est bien définie, c'est que vous êtes toujours dans le premier cas. Alors, on peut détecter dans quel cas on est, en regardant. Puisqu'on n'a rien entre les deux, c'est facile, il suffit de regarder l'intégrale de la forme quadratique des nu a de x, intégrée sur l'espace de Hilbert. D'accord. Si vous regardez ça, ça suffit, je vous rappelle que b est défini positif, donc ça c'est... Donc pour moi, ça c'est la forme quadratique, ou c'est plus l'infini si x n'est pas dans le domaine de la forme de b. D'accord. Donc si cette quantité est finie, alors nécessairement on est dans le premier cas, et du coup on a des croissances exponentielles. Et puis si c'est infini, nécessairement on est dans le deuxième cas, et du coup on est infini presque sûrement. Mais ça on peut le calculer toujours en utilisant la formule de là-bas. D'accord. Donc ça c'est la trace de b fois l'intégrale de xx des nu a de x. D'accord. Et ça fait la trace de b a moins 1. Alors partout, quand j'écris ce produit scalaire, c'est toujours au sens des formes. Il faut vraiment l'interpréter comme B1,5x norme au carré. Là, c'est pareil. Ça, il faut vraiment l'interpréter comme la trace de A moins 1,5B, A moins 1,5, qui lui est toujours bien défini parce que cet opérateur est positif. D'accord. Donc si cette trace est finie, alors dans ce cas, vous aurez des croissances exponentielles, et puis si elle est infinie, bah, la mesure va être complètement étrangère à B. Et vous voyez qu'on retrouve le résultat précédent, puisque en prenant B égale l'identité, bah, on voit qu'il faut que la trace soit finie pour que la mesure soit bien définie dans L2. Mais ce n'est pas le seul exemple. Si vous prenez B égale A, vous voyez immédiatement qu'en fait l'énergie est toujours infinie. Si vous prenez B égale A et que vous êtes en dimension infinie, qui est le cas quand même qui nous intéresse, alors vous en déduisez immédiatement que x à x ténu à 2x est égal à plus l'infini, et même que du coup x à x égale à plus l'infini, nu a presque sûrement. Donc c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, que l'énergie est toujours infinie, nécessairement, sur le support de la mesure de Gibbs. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes à peu près, et ensuite on verra ce que ça signifie dans le cas du Laplacien. Bien, donc on va reprendre. Donc je vous rappelle qu'on était en train de parler de ces mesures gaussiennes. On a vu que si on a un opérateur A qui définit... A, c'est la covariance. Il faut, donc on regarde la mesure exponentielle moins x à x dx avec le facteur de renormalisation. D'accord. Dans ce cas-là, cette mesure n'est définie que si A moins 1 est un opérateur à trace. Et par ailleurs, la forme quadratique associée à A est toujours infinie, nu A presque sûrement. Donc la mesure vit forcément en dehors de cet espace.
Bien. Donc appliquons ça au cas du Laplacien. J'ai appelé A, j'espère que vous n'avez pas confondu le A avec le potentiel magnétique, que vous avez peut-être déjà oublié de toute façon. Donc c'est pas très grave. Donc on va juste prendre le Laplacien. Oui, j'aurais dû. En fait, je voulais l'appeler H et après j'ai oublié. Bon. Donc prenons le cas juste du Laplacien sur un domaine borné. Bon, après, si vous prenez des potentiels A et V suffisamment lisses, ça se passera exactement la même chose. Vous pouvez le comparer au Laplacien. D'accord ? Bien. Donc la question, c'est à quelles conditions ? Il faut choisir des conditions au bord. Prenons Dirichlet. Ça n'a pas d'importance. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il faut que A soit défini positif. Donc si jamais vous prenez Neumann ou si oméga est une boîte et vous prenez périodique, il faut juste ajouter une constante à A pour que... D'accord ? Pour que la première valeur propre soit strictement positive. Bon, ben, prenons Dirichlet, ça ne change rien. Donc, à quelles conditions la trace de la résolvante est finie ? Seulement en dimension 1. Hein. D'accord ? Donc... Bon, avec Dirichlet, c'est facile, parce que vous avez des principes de comparaison très faciles. Donc, si vous avez votre domaine oméga, vous pouvez prendre un cube à l'intérieur et un cube à l'extérieur, et vous pouvez comparer les valeurs propres dans le domaine oméga en fonction du cube à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, ça, c'est facile. Et donc, il suffit de savoir ce qui se passe pour un cube. Et là, c'est explicite. Hein. C'est juste pi carré, n1 carré plus nd carré, où les nj sont dans z. Et ça, c'est pi carré, hein, je crois. Bon. D'accord. Pardon, pas 0. Parce que c'est Dirichlet. D'accord. C'est les sinus, tout ça. Bon, voilà. Et donc, vous voyez que la trace de moins Laplacien moins 1, elle est comparable. Vous avez une borne en dessus, par au-dessus et par en dessous, avec, la somme des 1 sur n1 carré plus nd carré. D'accord. Qui est elle-même comparable à l'intégrale et qui n'est convergente qu'en dimension 1. D'accord ? Voilà, donc ça signifie que la mesure de Gibbs est bien définie sur L2. La mesure de Gibbs pour le Laplacien sur un domaine borné n'est définie sur L2 qu'en dimension 1. Alors c'est quand même possible de le définir en dimension supérieure, mais il faut changer d'espace. Donc l'astuce, c'est de changer de norme pour rendre le Laplacien à trace. Alors comment on fait ça ? Vous voyez, notre espace L2, oui, bien sûr, ça ne dépend pas des conditions au bord. Hein. C'est pareil, si vous mettez une autre condition au bord, ça ne va pas changer. Donc L2 de oméga, vous l'identifiez vraiment avec petit L2 de n, d'accord ? C'est-à-dire que, à toute fonction u, vous regardez, c'est un produit scalaire contre... contre les vecteurs propres du Laplacien, d'accord ? Les fonctions propres du Laplacien, d'accord ? Et du coup, on peut introduire un genre d'espace de Sobolev qui n'est pas tout à fait un espace de Sobolev, parce que c'est pour ça que... C'est pour ça que je le note avec un H différent, d'accord, qui est juste l'ensemble des sommes de, comment je vais l'appeler, alpha j vj, où la somme des alpha j carré fois lambda j puissance s est finie. D'accord, donc c'est juste un espace petit L2 à poids, qui, lorsque s vaut 0, bah, c'est juste L2. D'accord, si s vaut 1, c'est en fait juste H1,0. Si S vaut 2, c'est H2 intersecté avec H1,0. Et par contre, pour S plus grand, vous voyez que tout est défini à partir du Laplacien. Donc, ce n'est plus vraiment tout à fait un espace de Sobolev, mais bon, c'est un espace qui est comparable. D'accord ? Bien. Et donc, l'astuce, c'est d'écrire U à U. D'accord ? Donc, A, c'est le Laplacien, mais je le vois vraiment dans H0. D'accord ? Comme U à 1 moins S U dans HS,
qui est juste augmenter artificiellement la puissance et la redescendre. Quand on change de norme, on passe avec des normes à poids, d'accord, et du coup l'opérateur A, à cause du poids, devient A1 moins S. Et avec cette astuce, donc changer d'espace de Hilbert, on travaille dans HS au lieu de travailler dans H0, on peut artificiellement remplacer A par A à la puissance 1 moins S. Et donc vous voyez que si on a un opérateur dont le A moins 1 n'est pas à trace, mais dont le A moins 1 à la puissance P est à trace, dans ce cas-là, on peut toujours se placer dans un espace avec AS suffisamment négatif, de sorte que celui-là devienne à trace. D'accord ? Donc vous voyez que si la somme des 1 sur lambda J à la puissance 1 moins S est finie, alors la mesure est bien définie sur HS. Alors bien sûr, pour améliorer la convergence de la série, il faut prendre S, ça dépend, mais généralement il faudra prendre S négatif, ce qui veut dire qu'on travaille dans un Sobolev négatif, donc un espace de distribution. D'accord ? Donc en utilisant cet argument, vous allez très facilement démontrer le théorème suivant. Bon, j'ai déjà tout fait. Hein. Donc si vous regardez nu pour moins Laplacien, vous regardez le cas du Laplacien, c'est juste la forme quadratique gradient u au carré. Donc elle est bien définie sur HS, si et seulement si S est strictement plus petit que 1 moins D sur 2. Parce que vous voyez que la somme des lambda J ici, bon, c'est un peu comme l'intégrale de 1 plus P carré. Vous allez la mettre à la puissance 1 moins S, donc vous voulez que 1 moins S soit plus grand que D sur 2. Ce qui vous dit que S est strictement plus petit que 1 moins D sur 2. D'accord ? Et plus précisément, en fait, on a... vous aurez décroissance exponentielle sur tout S' en dessous. Bon, je vais mettre S. Voilà. Et par ailleurs, vous aurez que la norme S' vaut plus l'infini, nu A presque sûrement, pour tout S' plus grand que supérieur ou égal à 1 moins D sur 2. Juste parce qu'on a cette caractérisation exacte, il faut que la résolvante soit à trace. D'accord ? C'est une condition nécessaire et suffisante. Et donc on sait exactement sur lequel de ces espaces de type Sobolev la forme quadratique du Laplacien est finie. D'accord ? Donc vous voyez que en dimension 1, oui, j'écris nu A, mais A, c'est le Laplacien. Et puis, on est sur un domaine borné. Donc, en dimension 1, on n'est juste pas dans H1,5. D'accord ? Donc, on rate juste H1,5. Donc, c'est bien défini sur L2, ça, on l'avait déjà vu. Mais on est même un peu mieux, on arrive à aller presque jusqu'à H1,5. On est sur tout HS avec S strictement plus petit que 1,5. C'est ce qui est écrit ici. Mais vous voyez que dès que la dimension est supérieure ou égale à 2, on n'est déjà plus dans L2. Donc, quand D est supérieur ou égal à 2, l'intégrale de U carré vaut toujours plus l'infini pour nu presque sûrement. Donc, on travaille avec des objets qui sont même étrangers à L2. La masse est toujours infinie. D'accord ? Donc là, je vous ai fait le cas du Laplacien. Bon, sur un domaine borné, vous pouvez regarder n'importe quel opérateur. Ici, on a une caractérisation vraiment algébrique. Il faut juste regarder si les valeurs propres, l'inverse des valeurs propres est sommable ou pas. D'accord ? Vous pouvez regarder n'importe quel opérateur. Par exemple, vous verrez qu'en dimension 1, si vous regardez moins, donc un genre d'oscillateur harmonique,
D'accord ? Donc, la mesure associée vie sur L2, si et seulement si S est strictement plus grand que 2. D'accord ? Il faut faire un petit calcul, savoir comment se comportent les valeurs propres, c'est pas très difficile. Donc même l'oscillateur harmonique, les valeurs propres se comportent linéairement, donc évidemment c'est juste pas sommable, et donc quelque chose qui croît légèrement plus, c'est bon, ça devient sommable, et la mesure vie sur L2. Mais à partir du moment où vous avez des valeurs propres qui ont une croissance polynomiale, en changeant d'espace avec l'astuce que je vous ai montrée, vous pouvez toujours définir la mesure, c'est juste qu'elle sera toujours définie sur des espaces Sobolev type négatif. D'accord ? Si c'est polynomial, en mettant une très grande puissance, vous allez toujours faire converger la série et ça finira par être bon. Bien, et donc vous voyez que on a défini mu0. Je vous rappelle qu'on voulait définir notre mesure non linéaire. Et là, on s'est vraiment concentré sur la partie linéaire, c'est-à-dire la mesure gaussienne. Maintenant, il faut voir à quelles conditions la mesure non linéaire est bien définie. D'accord ? Donc ça, c'est 3.3, mesure non linéaire. Bon, et vous imaginez tout de suite que la situation n'est pas... pas très bien. Donc, prenons un W positif, très bien. D'accord ? Dans ce cas-là, l'intégrale de U de X carré, U de Y carré, W de X moins Y, DX, DY, est toujours bien définie. Elle peut être éventuellement infinie, mais au moins elle est toujours positive. Et donc, la seule et unique question, je vous rappelle, c'est de savoir si cette intégrale est finie, au moins sur un ensemble de mesures non nues. Donc en 1D, si vous vous placez sur un intervalle borné, donc vous regardez, les potentiels magnétiques et extérieurs ne vont pas jouer de rôle. On n'a qu'à les prendre nuls, si vous voulez, ça ne change rien. Donc vous regardez vraiment le problème avec petit h qui vaut moins laplacien. On est en 1D, donc je vais écrire D2 sur DX2, sur un intervalle I, un intervalle borné. Vous avez des conditions au bord celles que vous voulez, nous mettons Dirichlet. D'accord ? Votre mesure est vie juste en dessous de H1,5, et par les injections de Sobolev, vous voyez que ça s'injecte dans tous les LP. D'accord ? Donc la mesure vit en fait sur tous les LP. Et ça, ça suffit pour définir cette intégrale, même pour un W qui est une delta. Parce que dans ce cas-là, c'est l'intégrale de U4, et U4, pas de problème. D'accord ? Donc dans ce cas-là, vous pouvez prendre W, une mesure bornée où une fonction est l'infini. D'accord ? Une mesure bornée, ça vous fait une delta. Et dans ce cas-là, vous trouvez NLS cubique. Et là, je suppose toujours que c'est défocalisant. D'accord ? Sinon, c'est plus dangereux. Dans ce cas-là, pas de problème. D'accord ? L'intégrale est fini. Alors je l'appelle mu0 maintenant, la mesure, je l'avais appelée mu0 tout à l'heure, c'est du laplacien, donc mu0 presque sûrement. Et donc on peut tout à fait définir notre mesure de Gibbs non linéaire, des mu, de u, qui est le facteur de normalisation exponentielle moins le terme non linéaire, que je ne réécris pas, des mu0 de u. J'ai oublié ce que c'était, le M plus l'infini, le M, j'ai oublié ce que c'était. Juste les mesures bornées. D'accord. Je veux dire qu'on peut prendre W une delta, en gros, et puis une fonction lisse, enfin une fonction bornée. D'accord. Je veux toujours décomposer les fonctions comme... parce que je veux toujours distinguer l'intégrabilité locale et puis éventuellement à l'infini, si jamais on n'est pas dans un borné, mais qu'on a un V qui confine. Bon, ici, en disant soit une delta, soit un W dans n'importe quel LP, ça marche.
Voilà, donc le cas 1D, on peut tout à fait regarder NLS défocalisant, la mesure est tout à fait bien définie, il n'y a pas de problème. Si vous voulez regarder le cas focalisant, ça ne marche pas du tout, parce que le terme non linéaire, lui, il est quartique, tandis que la partie gaussienne ne va jamais contrôler un terme quartique. Et dans ce cas-là, il faut ajouter en plus un cut-off sur la norme, sur la masse, sur l'intégrale de U carré. Dans ce cas-là, tout marche bien aussi. Enfin, il y a un coefficient critique devant le U4 pour que ça marche. C'est exactement ce qu'ont étudié Leibovitz, Rose et Speer dans l'article que je vous ai mentionné. Or, et Bourguin a aussi beaucoup étudié le cas de ce problème-là. Alors, vous voyez qu'en dimension plus grande, rien ne va plus. Donc, en dimension supérieure ou égale à 2, l'intégrale n'est pas définie. Et donc, il faut faire quelque chose. Donc, il faut renormaliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire renormaliser ? Ben, renormaliser, ça veut dire qu'on commence par remplacer le W par un truc beaucoup plus sympa pour lequel tout est bien défini. Ensuite, on vérifie que la mesure est bien définie en dimension infinie. Et ensuite, on essaye de faire tendre W vers l'objet qui nous intéressait et on identifie la divergence qu'on essaye de retirer pour voir si, en soustrayant cette divergence, il reste quelque chose. D'accord ? Donc, la technique, c'est... Première étape, on remplace W par un opérateur plus lisse. D'accord ? Et puis, deuxième étape, je l'appelle W delta. On étudie ce qui se passe quand W delta tend vers W et on identifie précisément la divergence. Donc, je voudrais par exemple juste vous expliquer en 2 minutes comment on fait juste pour la masse, par exemple. Hein. Donc là, je vous parle de l'interaction, c'est compliqué. Mais même une première étape, c'est juste de regarder ce qui se passe pour la masse. L'intégrale du carré, elle est toujours infinie en dimension supérieure ou égale à 2. D'accord ? Donc, en fait, une manière de remplacer par quelque chose de plus lisse, c'est aussi de travailler en dimension n, de regarder la projection cylindrique. On travaille en dimension n, on identifie exactement la divergence. Donc, je vous parle 5 minutes de la masse, et en fait, je ne vous dirai pas grand-chose sur l'interaction, parce qu'on va ensuite travailler seulement avec les cas les plus lisses possibles. Donc, vous regardez Mn de U, d'accord ? Vous prenez une fonction dans votre espace, là, dans le HS qu'il faut, et vous la projetez, donc qui est juste l'intégrale de Pn U carré. D'accord ? Pn, je vous rappelle, c'est le projecteur orthogonal sur les n premiers vecteurs propres. Donc ça, c'est juste une suite finie, donc elle est dans tous les HS, quel que soit S, hein, même négatif. Et à ça, vous allez soustraire la moyenne de cette chose-là par rapport à la mesure mu0. C'est-à-dire vous intégrez des mu0 de U. D'accord ? Bon, ça, c'est une constante, ça dépend plus de U, vu qu'on intègre par rapport à la mesure mu, et typiquement, c'est une constante qui va diverger, puisque la mesure ne vit pas dans L2. D'accord ? Donc, quand n tend vers l'infini, ce truc tend vers plus l'infini. Mais on espère que l'objet, d'une certaine manière, quand on soustrait cette constante qui ne dépend pas de U, puisque j'ai moyenné sur U, d'accord, que la différence va converger. Dit autrement, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que la masse... que sur le support de mu0, la masse n'est pas bien définie, mais qu'en fait, si vous prenez 2 fonctions, la masse relative, elle, est bien définie. C'est-à-dire, elles sont toutes divergentes, mais de la même manière. Donc, on peut enlever une constante, et on peut enlever la même constante à tout le monde. D'accord ? Alors ça, c'est très facile, parce que si vous décomposez U sur la base, vous allez voir que ça fait la somme des alpha j carré, j égale 1 à n, alpha j, c'est les coefficients de U sur la base, moins la somme des 1 sur lambda j, qui est la série qui diverge.
D'accord ? Tronqué jusqu'à n. Et donc ensuite, l'étape suivante, c'est de calculer. On va essayer de démontrer que cette masse à laquelle on a enlevé la constante infinie, là, cette fonction en fait converge vers une limite. Donc on regarde mn de u moins mp de u au carré d mu 0 de u. On essaye de montrer que c'est une suite de Cauchy. Et j'écris partout d mu 0, mais en fait je vous rappelle que comme le mn est une fonction qui ne dépend que des n premières coordonnées, je peux remplacer ici par mu n et faire un calcul avec des sommes finies. D'accord, tout ça, c'est que des sommes finies. D'accord, et si vous calculez ça, vous allez voir que c'est exactement égal à la somme des lambda j carrés. Il faut faire le calcul, développer, utiliser les formules avec les gaussiennes, c'est pas difficile. Et donc, en fait, on en déduit que si la somme des 1 sur lambda j diverge, mais qu'on a de la chance et que la somme des carrés converge, dans ce cas-là, on peut définir une masse renormalisée, ou dit autrement, en fait, les fonctions sur le support de mu sont tous divergents de la même manière, qui est cette constante, qui est la somme des 1 sur lambda j. Oui. Ah, pardon, c'est la somme de n à p, oui, ou de p à n. On va supposer que p est inférieur égal à n. Pardon, merci. D'accord ? Et ça, c'est purement algébrique. Vous voyez, si vous avez un opérateur A quelconque, vous calculez la norme L2 de la projection. En fait, vous pouvez définir une espèce de norme L2 renormalisée, si et seulement si la somme des carrés converge. Alors maintenant, la question est, à quelles conditions la somme des carrés converge si on a le laplacien ? Et vous allez voir que la trace de moins laplacien moins 2 est finie, si et seulement si D est inférieur ou égal à 3. D'accord ? Parce que maintenant, c'est comme si on avait l'intégrale de 1 plus p carré au carré, donc ça converge jusqu'en dimension 3, et ça diverge juste en dimension 4. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple de comment on fait pour définir une masse généralisée. Donc dit autrement, si vous prenez deux fonctions, en fait, la différence des masses des deux fonctions, elle a un sens. Par contre, séparément, ça n'a pas de sens. Et après, vous voyez que si D est plus grand, alors en fait, ça ne marche pas. Et ces techniques que je vous ai présentées ici, c'est une procédure algébrique bien documentée qui est expliquée en long et en large dans le livre de Glim Jaffe. Donc c'est en fait la renormalisation de Wick. D'accord ? Je ne vous explique pas ce que c'est, mais c'est une procédure algébrique. Si ça ne marche pas, ça veut dire qu'on est dans un cas particulier et il faut regarder ensuite au cas par cas. D'accord ? Donc cette partie est algébrique. Si vous avez un opérateur quelconque dont le carré la résolvante au carré est à trace, alors vous pouvez toujours définir la masse renormalisée de cette façon. Et alors du coup, on a pu démontrer donc là je vous dis rapidement quelque chose qu'on a démontré mais pas encore publié, donc c'est ce qu'on est en train d'étudier en ce moment avec Nam et Rougerie. Donc on peut démontrer qu'on peut renormaliser aussi l'interaction simplement en soustrayant la bonne constante, quoi. Donc qui est-ce que vous imaginez, c'est-à-dire u de x carré moyenné. Parce que vous voyez que si W est très lisse, en fait, ça c'est un petit peu comme la masse, d'accord. Si, mettons que W soit dans L infini, on imagine que c'est un peu pareil que la masse. D'accord. Donc on arrive à faire ça. Donc en dimension 2, on peut prendre W dans n'importe quel LP. Je ne sais plus bien si 1 est autorisé, je ne retrouve plus mes notes. Non, 1 n'est pas autorisé. Et en dimension 3, en fait, n'importe quel LP marche aussi, sauf que la limite c'est 3. Et ça a à voir avec les propriétés d'intégrabilité
du carré de la, enfin de la fonction de Green. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le modèle non linéaire de Hartree, si le W est assez lisse, en fait, on peut définir un modèle renormalisé qui n'a pas, qui, à ma connaissance, n'a pas été du tout étudié. Parce que les gens se sont plus focalisés sur le cas où W vaut delta, qui est une difficulté supplémentaire, vous voyez. Hein, parce que là, vous ne voulez pas juste définir U carré, vous voulez vraiment définir U4. Donc, quand W vaut delta, quand D égale 2, vous avez une autre une procédure, on peut appliquer la procédure algébrique de Wick, renormalisation de Wick, qui n'est pas aussi simple que le cas de la masse. Hein. Et donc, ça marche. Donc, il faut soustraire plusieurs choses, c'est un petit peu pénible, mais il y a la procédure algébrique qui dit exactement ce qu'il faut faire. Et Bourguin a étudié l'équation résultante, je pense que c'est en 96. D'accord, donc il a étudié la mesure renormalisée, il a montré qu'il y avait un flot qui était bien défini, d'accord, au sens où presque sûrement par rapport à la mesure, les solutions sont toutes globales en temps, et la mesure est invariante. Par contre, en dimension 3, donc là la mesure elle a été construite. Je pense que c'est Glim et Jaffe. Mais Wick ne marche pas, il faut faire quelque chose de plus pénible. C'est-à-dire il faut remplacer U4 par quelque chose de très lisse et étudier précisément la divergence et voir comment ça se passe. Donc ça, c'est très pénible. Et je ne pense pas que D égale 3 ait été utilisé par les EDPistes pour étudier l'invariance et puis le fait que NLS est bien défini. Voilà. Par contre, avec un W comme ça, en fait, c'est mieux. Et bah, les gens n'ont pas l'air d'avoir regardé. À mon avis, c'est un problème intéressant. Alors, nous, notre but, vous voyez que c'est très compliqué dès qu'on veut définir proprement ces mesures en dimension supérieure ou égale à 2. Si W est lisse en dimension 2 et 3, ça va encore, et après, c'est difficile. Je fais juste un dernier commentaire avant de passer à autre chose. Ce qui intéressait les gens en théorie constructive des champs, c'était D égale 4. Parce qu'on regarde un problème en dimension 3, quantique, mais comme on l'écrit de manière classique, on se retrouve en dimension 4. D'accord ? Et ben là, à ma connaissance, il n'y a pas de résultat. Donc je voudrais terminer maintenant par la limite de champ moyen, vous décrire que ces mesures, vous voyez, ces mesures sont un petit peu spéciales, hein, elles vivent sur des Sobolev négatives. Bon. Ces mesures apparaissent vraiment naturellement dans la limite de champ moyen à partir des mesures de Gibbs quantiques qui, elles, sont tout à fait bien définies et n'ont pas du tout ces propriétés exotiques. D'accord ? Donc, d'une certaine manière, c'est une autre façon de justifier l'intérêt de regarder ces mesures, c'est qu'elles apparaissent dans une limite à partir des mesures de Gibbs quantiques toutes bêtes, de d'habitude, d'accord ? Dans la limite de champ moyen. Sauf, vous voyez qu'en dimension 2 et 3, c'est compliqué. Et donc, nous, on n'a pas regardé les mesures qui... Enfin, les problèmes qui demandaient à être renormalisés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a régularisé le problème en remplaçant le W par quelque chose de plus lisse, et on a fait la limite de champ moyen pour le W plus lisse pour lequel la mesure est bien définie. D'accord ? Donc moi, je vais prendre un W plus sympa, pour lequel il n'y aura pas besoin de renormalisation, avec l'idée que la renormalisation doit se faire après, mais ça serait encore plus intéressant de la faire en même temps qu'on fait la limite de champ moyen. D'accord ? Il y a un problème d'intégration de limite, là. Mais on n'a pas encore regardé. Donc, en dimension supérieure ou égale à 2, on remplace notre intégrale double par quelque chose de plus sympa. Bon,
C'est comme on fait souvent en mathématiques, on commence par généraliser et après on met des hypothèses qui ne traitent pas le cas d'avant. Donc vous voyez ça, on peut l'écrire U tenseur 2, un opérateur U tenseur 2, où l'opérateur c'était la multiplication par la fonction en x moins y. D'accord ? Donc je l'écris comme ça, pas de problème. Et maintenant je vais mettre des hypothèses sur W. En tant qu'opérateur sur l'espace L2 de oméga carré, qui ne vont pas couvrir les opérateurs comme ça. Donc dit autrement, je vais supposer que W, mettons, est de rang fini et que ces fonctions propres sont extrêmement lisses, de sorte que je puisse tester contre des distributions. D'accord ? Si la mesure vit dans H-S, ben je vais supposer que W est de rang fini avec des fonctions qui vivent dans HS. Et dans ce cas-là. Et c'est la manière de régulariser W, sauf que je ne vous dis pas comment exactement régulariser W. Bien. Alors, les mesures de Gibbs quantique, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous rappelle qu'on avait le problème variationnel classique, qui était l'inf de HP plus T intégrale de P log P, dont le minimiseur était P optimal, qui vaut z moins 1 exponentielle moins bêta, bon, j'écris, bêta c'est 1 sur t, voilà. Donc dans le cas quantique c'est la même chose, sauf que vous remplacez la fonction hamiltonienne classique par notre opérateur Hn, et vous remplacez toutes les intégrales par des traces, et les probas par des opérateurs positifs de traces égales à 1. D'accord ? Donc le cas quantique c'est que vous regardez inf de la trace de notre Hn fois un opérateur gamma qui joue le rôle de P plus T, la trace de gamma log gamma. Et la contrainte, c'est que gamma, donc c'est un opérateur auto-adjoint positif, dont la trace vaut 1. D'accord ? Donc ça, c'est la version quantique du problème classique. Les intégrales deviennent des traces. Et si on n'avait pas la température, vous voyez que c'est optimal en prenant gamma un projecteur de rang 1 sur la première fonction propre de H. D'accord ? Donc, ce qui joue le rôle des deltas, ce qui était les deltas ici, deviennent ici des projecteurs de rang 1. Ce sont des objets quand même moins singuliers que des deltas. Et donc le gamma optimal, c'est z-1 exponentielle moins H sur T, enfin ce H là, N lambda, d'accord, ou Z, ben c'est la trace de exponentielle moins H sur T, et l'inf vaut moins T log de Z. D'accord, ici ça valait aussi moins T log de Z. Voilà, donc ça c'est les mesures de Gibbs quantiques. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que si vous prenez par exemple le Laplacien sur un domaine borné, dans ce cas-là, exponentielle moins, enfin tout ça, et bien l'opérateur à trace, ce qui est le cas. D'accord ? Donc vous allez me croire pour ça. Quoi. Très bien, donc ça c'est notre état de Gibbs quantique qu'on veut relier avec la mesure de tout à l'heure. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, en fait c'est pas si simple. On va plutôt regarder le cas grand canonique où on fait une moyenne sur les n, d'accord, plutôt que de regarder exactement juste cette mesure. Alors, l'idée c'est que en fait, si je regarde cette mesure, je vais bien converger vers la mesure que je veux, mais qui va être restreinte à une sphère. D'accord ? Parce que la masse de U, c'est ce qui sort quand on fixe un certain N. Moi, je veux vraiment trouver le mu qui est défini là-bas, qui vit dans tout l'espace et pas seulement sur une sphère dans L2. Et donc, je vais faire une moyenne en N, et puis voilà. D'accord ? Donc, ça veut dire que mon état de Gibbs, c'est vraiment une espèce de somme directe de exponentielle moins Hn lambda sur T, divisé par la somme des traces
pour que ce soit normalisé. Quand je fais une moyenne sur n, bon. Si cette somme directe ne vous plaît pas, regardez seulement la somme des traces, hein, ça c'est la moyenne. Et donc je définis z de t et de lambda, qui est la fonction de partition où je fais la moyenne sur ces traces. Donc c'est la somme n supérieur ou égal à 0 des traces de exponentielle moins hn lambda sur t. Je fais juste la somme de ce que j'avais avant, et c'est tout. Alors, je vous rappelle que nous, on veut regarder une limite de champ moyen, où lambda, on va devoir regarder une limite où lambda va se comporter comme 1 sur le nombre moyen de particules dans le système. Et, oui. Ah, on pourrait, ça ne changerait rien. D'accord. Là, je ne l'ai pas fait, mais ça ne changerait rien. On peut décaler légèrement le laplacien. On le cache dans le V. Donc, vous voyez, j'ai que deux variables avec lesquelles je peux jouer, t et lambda, mais lambda doit, dans la limite de champ moyen, lambda doit se comporter comme 1 sur le nombre moyen de particules, que je ne connais pas. D'accord ? Donc, la question est, finalement, j'ai que un paramètre t. Comment je fais tendre le nombre moyen de particules vers l'infini ? Et quelle est sa valeur, de sorte que je puisse ensuite prendre lambda comme 1 sur ce nombre moyen. Donc pour ça, je regarde juste le cas où il n'y a pas d'interaction, et je le calcule, ce nombre moyen. Ça, ça me donnera une idée de ce qui va se passer. Donc lem. Donc le nombre moyen de particules, c'est juste la somme n supérieure ou égale à 1, des n fois la trace de l'exponentielle moins hn. Donc je regarde sans interaction. Hein. Ça, divisé par la somme des traces. Donc ça, c'est la valeur moyenne du nombre de particules. Alors ça, il faut calculer. Ça, c'est pas très marrant. Mais je vous donne le résultat. Ça fait la somme des 1 sur exponentielle lambda j sur t moins 1. Et lambda j, c'est les valeurs propres de l'opérateur qui apparaît dans la première somme de Hn. D'accord ? Donc mon Hn, il a la forme suivante. Hn lambda, je vous rappelle, c'est la somme des h qui agit sur la variable xj, plus lambda, la somme des wij, ou jk. D'accord ? Et h, pour moi, c'est moins i gradient plus a carré plus v. Mais pensez juste au laplacien, si vous voulez. Donc je me place dans une situation confinée, c'est-à-dire que h est un résolvante compacte, et ses valeurs propres, je les appelle lambda j. Donc j'ai hvj égale lambda j vj. D'accord ? Et c'est comme ça que je construis la mesure de Gibbs, etc. Et donc, vous voyez que le nombre moyen de particules se comporte comme ça. Et donc, comme j'ai un seul paramètre t, ben, j'ai qu'à regarder comment ça se comporte en fonction de t. Et vous voyez que ça se comporte comme la somme sur j. Si je fais tendre t vers l'infini, l'exponentielle moins, ça se comporte comme t fois la somme des 1 sur lambda j. Et donc ce que vous voyez, c'est que dans le modèle sans interaction, le nombre moyen de particules, quand je fais tendre t vers l'infini, se comporte comme t, du moins si je suis en dimension 1, où la somme est convergente. Et donc du coup, c'est naturel de prendre lambda comme 1 sur t. Donc je vais regarder une limite où t est grand, ce qui va me faire tendre le nombre moyen de particules vers l'infini, et lambda est d'ordre 1 sur t. Et donc le théorème, c'est le suivant. Alors on suppose que la trace de h moins p est finie.
Donc, je vais vous énoncer un théorème qui est valable pas seulement en dimension 1, mais aussi en dimension 2 et 3, et n'importe quoi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule condition dont on ait besoin, c'est que les valeurs propres croissent polynomialement, de sorte qu'on puisse trouver une puissance pour rendre la somme convergente. Donc cette puissance, je l'appelle P. P dépend de la dimension. D'accord. Et alors ensuite, je vais mettre des hypothèses différentes selon la valeur de P, au lieu de mettre des hypothèses selon la valeur de la dimension, mais c'est la même chose. Donc si P est égal à 1, d'accord, je suppose que W, que cette trace est finie, et si vous pensez en termes de fonction, d'accord, ça c'est le cas de la dimension 1, hein, d'accord, donc c'est vraiment d égale 1, et w qui est un w de x moins y, alors du coup, bah, si vous prenez w une mesure plus une fonction de L infini, c'est bon. C'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure. Simplement, j'ai écrit l'hypothèse de manière plus abstraite, d'accord. Si vous avez le Laplacien sur un intervalle, alors vous pouvez prendre une fonction qui est, enfin, W qui est une mesure plus une fonction bornée, c'est bon. Alors si P est strictement plus grand que 1, j'ai besoin d'une hypothèse légèrement plus forte qui, vous allez voir, ne couvre pas les fonctions de x moins y. Donc ce que je demande, c'est qu'en tant qu'opérateur, W est aussi toujours un opérateur positif, hein, que W vérifie cette estimée, avec un P' qui est strictement plus grand que P. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est que quand vous regardez la trace de W fois H-1, H-1, donc les 1 s'en vont, et on trouve la trace de H-P' qui est convergente, parce que P' est strictement plus grande que P. Donc c'est une espèce de version légèrement plus forte que ça, puisqu'on suppose qu'on a une borne uniforme, plutôt que juste demander la convergence d'une certaine trace. Bon, ça ne couvre pas du tout des fonctions, d'accord. Donc si D est supérieur ou égal à 2, bah, vous devez penser que W est un opérateur... Vous voyez que vous estimez W par le Laplacien à une certaine puissance, d'accord. Et donc ça vous dit en fait que W est quelque chose qui s'estime, qui est borné par un Laplacien à une certaine puissance dans les deux variables. Si vous avez une fonction de x moins y très lisse, vous pouvez la majorer par un Laplacien en x moins y, mais vous n'avez rien en x plus y. D'accord ? Donc moi, je suis en train de supposer que vous avez une décroissance à la fois en moment, à la fois en x plus y et en x moins y. D'accord ? C'est ce que je veux dire. Enfin, ça, c'est en x, ça, c'est en y. Enfin, ça revient à ça. Donc, pas une fonction. Mais on a quand même voulu faire la dérivation en dimension plus grande que 2, quitte à mettre beaucoup d'hypothèses sur W, parce que déjà la mesure mu, de toute façon, est déjà un peu exotique, puisqu'elle vit déjà sur les Sobolev négatifs. Alors le théorème, c'est le suivant. C'est que si vous regardez moins log de la fonction de partition avec interaction divisé par la fonction de partition sans interaction, cette quantité converge quand t tend vers l'infini et que lambda t tend vers 1, vers moins log de ce que j'avais appelé zr. Et je vous rappelle que zr, c'est l'intégrale de 1 demi du terme non linéaire d mu 0 de u. Donc c'est le facteur de normalisation pour la mesure de Gibbs non linéaire. Ce facteur de normalisation, vous devez vraiment penser que c'est un petit peu exponentielle moins l'énergie de Hartree du, divisé par exponentielle moins la normalisation de mu 0, qui est juste le h, formellement. Hein. Évidemment, les deux sont infinis, mais formellement, c'est ce que c'est. Vous voyez, le mu 0, c'est... c'est formellement exponentielle moins h, h c'est moins Laplacien, mettons. Hein. C'est la mesure gaussienne. D'accord. Et donc ça, c'est très naturel, puisque en haut, vous avez le problème avec interaction, et en bas, le problème sans interaction, c'est
Simplement, je ne peux pas dire que le numérateur tend vers le numérateur parce que tout est infini. Donc on donne une convergence pour ces fractions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une convergence de l'énergie. Maintenant, on voudrait avoir une convergence des états aussi. Donc je termine avec ça. Par ailleurs, je vais l'énoncer que pour P égale 1, parce que vous imaginez que c'est plus facile. Donc si P égale 1, vous avez aussi convergence des états, au sens où vous regardez toutes les marginales qui ne font intervenir que K particules à la fois, exactement comme dans le cas des minimiseurs, avec la petite complication qu'on fait cette moyenne sur tous les nombres de particules. D'accord ? Donc vous regardez la somme pour N supérieur ou égal à K. Bon, vous avez un petit coefficient ici qui se comporte essentiellement comme n puissance k. Et ensuite, vous regardez la trace de... Donc, vous testez contre un opérateur qui dépend que de k particules, fois exponentielle moins hn lambda sur t. D'accord ? Donc là, vous avez vraiment testé seulement k particules. Mais en plus, vous faites cette moyenne sur n. Voilà. Et ensuite, vous... N'oubliez pas qu'il faut tout normaliser. Donc vous avez la somme supérieure ou égale à 0 des traces de l'exponentielle moins hn lambda sur t. D'accord ? Donc c'est comme avant, sauf qu'avant on n'avait pas toutes ces sommes, on avait une seule trace. Bon ben ça tend vers u puissance k à u puissance k d'mu de u. Où mu, c'est la mesure non linéaire, mesure de Gibbs non linéaire, qu'on a construite. D'accord ? Et ceci a lieu, en fait, pour tout A borné sur L2 de RD puissance K, symétrique, ce qui peut vous étonner un peu, parce qu'en fait, la mesure mu est définie sur les Sobolev négatifs, mais bon, prenez A très très lisse, ça vous troublera. Bon. Voilà. Donc ce que vous voyez, je fais juste un commentaire avant de terminer. Ce que vous voyez, c'est que la situation est la même, quoique un petit peu plus compliquée, que pour les états fondamentaux, dans le sens où les mesures de Gibbs quantiques, enfin les opérateurs exponentiels moins bêta h, dans une limite où le nombre moyen de particules diverge, converge, donc quand on teste seulement contre k particules, converge vers cette mesure de Gibbs non linéaire. Ici, je vous ai seulement énoncé le cas. Le A est borné dans L2 et les U, qu'est-ce qu'ils ont ? On est dans un HS. Oui, donc prenons A très très lisse. D'accord. Bon, en fait, je devrais mettre le A à l'extérieur. Bon, il se trouve que l'intégrale des projecteurs sur u puissance k d'mu de u est plus lisse que ce qu'on pense. D'accord ? Donc la bonne manière d'interpréter ça, c'est vraiment la trace de a fois l'intégrale de u puissance k d'mu de u. Et ça, on a l'impression que ça vit seulement sur les Sobolev négatifs. Voilà, mais en fait, il se trouve que cet opérateur ici, une fois qu'on a moyenné, le truc est plus lisse et cet opérateur est en fait borné sur L2. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'écrire pour tout A borné sur L2. Et par ailleurs, je fais une remarque, c'est que là, je parle de P égale 1 et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais on a un peu le même résultat si P n'est pas 1. Et dans ce cas-là, il faut faire attention. D'accord ? Donc la remarque que je voulais vous faire avant de terminer, il faut que je m'arrête, c'est que ça, c'est vraiment la convergence de l'énergie. Je vous rappelle que nous, notre énergie, ça va aller moins T log de Z. Ça, c'est quand on minimise l'énergie moins l'entropie. Vous vous souvenez, je vous ai dit que la valeur, c'était ça. D'accord ? Et vous voyez que cet objet ici, c'est vraiment une différence de deux énergies, le tout divisé par T. Donc, ce qu'on a vraiment démontré, c'est que l'énergie avec lambda moins l'énergie avec lambda égale à 0 divisé par t, converge vers l'énergie, moins log de ZR. Quoi.
Et quand je dis l'énergie, en fait, c'est ce que le physicien appelle l'énergie libre, quand on minimise l'énergie moins un T fois l'entropie. D'accord ? Donc c'est vraiment un théorème sur une différence d'énergie au lieu d'être un théorème de convergence seulement sur l'énergie. Pardon ? Où est passée l'entropie ? Ah ben, le moins log de Z, moins T log de Z, c'est l'inf de énergie moins T entropie. D'accord ? Donc quand je dis énergie, c'est énergie libre. Hein. C'est-à-dire notre problème de minimisation, notre nouveau problème, qui n'a pas seulement l'énergie, mais a une partie entropie. D'accord ? Donc, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment le même théorème que tout à l'heure, on avait E de n sur n qui converge vers quelque chose. Là, n, c'est un peu t. Donc, on veut dire que E de t sur t converge vers quelque chose, mais ça, ça ne marche pas. Il faut regarder une différence, parce que ça diverge beaucoup plus vite. Donc, il faut regarder une différence et on compare au cas sans interaction. La semaine prochaine, on n'a pas cours, parce qu'il y a le séminaire tournant à l'IHP. Je vous encourage tous à venir y faire un tour. Et on se voit la semaine suivante, où on parlera des propriétés de l'entropie, dont on aura besoin pour expliquer tout ça. Donc on va parler essentiellement d'entropie la fois prochaine. Et puis un petit peu de semi-classique, pour comprendre, vous présenter les outils nécessaires à ce qu'on a fait. Merci.